Ils étaient un couple phare depuis leur victoire à Danse avec les Stars en 2014. Pourtant, l'histoire qui paraissait établie entre Ryan Bensetti et Denitsa Ikonomova semble bel et bien avoir pris fin. En effet, les deux stars qui n'ont jamais vraiment officialisé leur relation mais qui étaient pourtant très complices, ne le sont plus du tout. Il faut dire qu'une ombre au tableau est venue perturber leur quotidien bien tranquille. En effet, au mois d'avril 2021, le comédien a été aperçu en train d'embrasser l'humoriste et chanteuse Camille Lelouch. Dans la vidéo, ces derniers semblaient d'ailleurs plus que très proches, au point même d'évoquer des rapports sexuels. De quoi donc faire voler en éclats le potentiel couple formé par Ryan Bensetti et Denitsa Ikonomova. Suite à cet épisode qui a choqué les internautes, Ryan Bensetti, que l'on retrouve dans Tamara, avait d'ailleurs présenté ses excuses. Je réalise que tout ce que je fais affecte les personnes autour de moi. Je voudrais donc prendre ce temps pour m'excuser des choses que j'ai faites et des choses qui ne sont pas encore arrivées. Et de celles dont ils ne veulent pas assumer la responsabilité, pouvait-on lire dans sa story Instagram. Trop tard. De son côté, Denitsa Ikonomova avait rapidement réagi en se désabonnant des réseaux de Ryan Bensetti. Publiquement, la jeune femme d'origine bulgare n'a cependant jamais pris la parole concernant ce qui s'apparente à une tromperie. Une chose est sûre, depuis CIST la douche froide entre Ryan Bensetti et Denitsa Ikonomova. Même s'ils n'ont pas supprimé leur photo commune, les deux complices ne s'affichent plus du tout ensemble. Camille Lelouch est-elle sortie avec Ryan Bensetti? Le 28 avril 2021, Camille Lelouch a publié une vidéo humoristique dont le scénario rappelait fortement son histoire. En effet, elle y joue les personnages de Sandy et Cynthia, deux femmes qui se chamaillent pour un garçon. Soi-disant, j'ai couché avec son mec. J'ai couché avec un gars qui lui était célibataire, tu vois ce que je veux te dire? Il m'appelle encore, en plus. T'es au courant ou pas? Je t'aime, mon bébé, mon amour. Pendant qu'à toi, il dit pardon, désolé, désolé. Balance-t-elle. Un message subliminal ?